Aujourd'hui, on est vendredi le 29 avril. Je vais commencer un vlog aujourd'hui. Je suis en congé. Puis là, il me semble que j'ai tellement d'affaires à raconter. Là, je sais pas où commencer. Là, ce matin, là, il est rendu quasiment midi déjà. Là, à matin, j'ai filmé des petits bouts. J'ai fait mon toner de cheveux. Je crois mes cheveux jaunes cette semaine. Fait que là, je vais retour au gris. Et sinon, à part de ça, j'ai fait du ménage, un peu de préparation de bouffe parce qu'on a des amis qui viennent souper ce soir. Puis là, après-midi, j'ai comme quelques commissions à faire. Faut que j'aille au Costco pour reporter des leggings que j'ai achetés hier. Ben vous avez sûrement vu ça passer, là. Ils ont sorti des leggings Adidas, comme ça, super beaux au Costco, sont 30$. Puis j'ai pris X-Large, d'habitude, moi, X-Large, ça me fait bien. J'aime mieux des leggings qui sont pas trop serrés au ventre, j'aime moins ça. Mais là, ceux-là sont définitivement vraiment trop grands, là, comme ils pochent, là. Fait que je vais aller les reporter, puis c'est ça, j'ai vraiment pas été chanceuse, là. Cette semaine, j'ai comme acheté un peu de linge. Puis tout ce que j'ai acheté, c'est soit trop grand ou trop petit. En plus, c'est drôle, sûrement que vous avez vu ça passer, là, Chloé Dagenais sur YouTube, a essayé d'ouvrir un compte Vinted. Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que je la suis, Chloé. Puis, ça fait comme une couple de fois qu'elle montre du linge qu'elle s'achète, puis que j'aime vraiment son style, fait que je vais acheter les mêmes morceaux qu'elle, dans la même grandeur qu'elle. Fait que, tu sais, je sais qu'on a à peu près une shape semblable. Puis en plus, elle le dit dans son vlog que sur son compte Vinted, elle allait vendre son linge qui est rendu trop petit pour elle. Mais je suis allée quand même y acheter deux morceaux. Ben qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les morceaux qui sont trop petits pour elle sont trop petits pour moi aussi. Ben tu sais, c'est pas si pire, là, mais c'est tight. Là. Mettons, ça me fait pas bien. Fait qu'en tout cas, j'ai acheté deux beaux morceaux, mais que je porterai probablement pas. Mais en tout cas, je trouverai d'autres preneurs. Sinon, sur Vinted, je m'étais acheté aussi un petit kit... genre un top Adidas qui vont avec les leggings, là, genre le même motif, là. Puis c'est X-large aussi, puis c'est trop grand aussi, là, quand même vraiment trop grand. Fait que ça, probablement que je vais leur mettre à vendre sur Vinted. Et sinon, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, je me suis acheté des maillots de bain sur Shein. Puis ils sont vraiment trop grands aussi. Mais c'est parce que dans le fond, j'ai pris une taille de plus que l'année passée. Mais depuis l'année passée, j'ai pris un peu de poids. Fait que là, je m'étais dit que ça allait être correct. Mais non, finalement, une taille de plus, c'est comme vraiment trop grand. Alors, coudonc, c'est ça. J'ai pas été chanceuse dans mes achats cette semaine. Sinon, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, la semaine passée. Ben en fait, la semaine passée, j'ai pas filmé. Là, on a eu quand même une fin de semaine assez chargée. Le vendredi soir, j'ai fait un petit party ici, ben, un petit party improvisé, là. J'ai comme quelques amis qui sont venus, on a fait un souper, on a fait du spa. Super le fun. Le lendemain, j'étais hangover. Ça filait pas en tout. En plus, après ça, je suis comme tombée dans ma semaine. Fait que j'avais des grosses crampes. En plus d'être hangover, d'avoir mal à la tête, mal au cœur, mal au ventre. Tout le kit. Package deal. Puis là, en plus, le samedi, on avait un autre party chez d'autres amis. Fait que là, on est allé là le samedi soir. Puis là, c'est ça. Fait que quand même grosse fin de semaine. Fait que dimanche, on a pris ça relax. Là, ben dimanche puis lundi, on a appris que des gens qu'on a vus... Le vendredi puis le samedi, ils ont testé positif au COVID. Donc, on a été en contact quand même très, très rapproché, là, avec quand même trois personnes. Trois personnes qui ont testé positif par après. Fait que moi, le lundi, d'habitude, je commence à travailler à midi. Fait que là, le lundi matin, quand j'apprends ça, bon, j'avais un peu mal à la tête. Mais, tu sais, mon mal de tête, il était peut-être causé aussi par ce qui s'était passé dans la fin de semaine. Mais en tout cas, vu que j'avais quand même pas mal fêté. Fait qu'en tout cas, fait que là, le lundi matin, je me fais mon test COVID. Là, après 15 minutes, je le regarde, il est négatif. Fait que là, je laisse traîner sa table, puis je me prépare à aller travailler.
Puis là, vers midi, je partais pour aller travailler, je regarde le test, il est positif. Mais là, tu sais, les tests, ça dit qu'ils sont supposés d'être valides après 15 minutes. Mais là, ça faisait peut-être 2 heures qu'ils étaient à la table. Fait que là, 2 heures plus tard, le test, il est-tu valide, il est-tu pas valide, je sais pas. Mais là, étant donné que j'avais eu des contacts très rapprochés pendant la fin de semaine avec des cas positifs, puis qu'après ça, mon test, bon. Fait que là, j'appelle à ma job, je leur raconte ça, et puis là, mon patron, il dit d'aller faire un test PCR. Fait que finalement, lundi, je suis pas rentrée travailler, je suis allée faire un test PCR. Le test, le résultat, il est rentré quasiment dans la nuit, là. Finalement, c'était négatif. Fait que finalement, j'avais pas le COVID. Fait que je suis rentrée travailler après ça, mardi, mercredi, jeudi. Et puis là, dans la semaine, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, mouché. Mon mal de tête est encore là. Fait que là, pendant la semaine, je me suis refaite une couple de tests rapides. Puis c'était tout le temps négatif. Fait que là, coudonc, c'est tout le temps négatif, là. Fait que j'ai peut-être pogné un petit rhume, puis c'est tout. Fait que là, aujourd'hui, je suis en congé. Puis, c'est ça. Fait que je vais vous apporter dans notre journée. Ah, puis là, j'ai mis mon beau chandail de Les Audacieuses. Dans le fond, ça, c'est comme une illustration qu'elle a postée quand même le longtemps, puis que j'ai tout le temps trouvé belle. Ça dit « Née pour briller ». J'aime beaucoup les couleurs et tout et tout. Puis, avant, elle faisait juste des t-shirts blancs. Mais moi, des t-shirts blancs, je tripe pas là-dessus. Je trouve que ça fait rapidement des ronds jaunes en dessous des bras quand il y a du déodorant. Puis, moi, les t-shirts blancs, c'est pas fait pour moi. Fait que j'y avais déjà fait un commentaire, une suggestion pour dire que j'aimerais ça avoir des t-shirts de couleur. Puis là, elle a sorti ce t-shirt-là de couleur, en plus avec mon illustration préférée. Fait que là, je pouvais pas m'empêcher, je l'ai pris. Mais elle les vend pas si cher. Tu sais, je trouve que pour un chandail québécois fait au Québec, en tout cas, tout le kit, elle les vend 30$ là, sur son site. Fait que, bien contente de mon chandail, je vais le mettre aujourd'hui. Sinon, à part de ça, allez, là, je vais vous montrer mes petites nouveautés, là. Parce que, en fait, dimanche passé, on est allé au Walmart, puis je me suis acheté ces petites boucles d'oreilles-là. Dans la section pour enfants, ben pour fillettes, là, il y a comme un présentoir de boucles d'oreilles de la marque Justice. En tout cas, c'est toutes des boucles d'oreilles pour enfants, mais hey, les petits anneaux, là, elles sont vraiment belles. Dans le fond, c'est comme des kits qui ont 3 paires de boucles d'oreilles, puis ça coûte 12$. Fait que là, j'en ai 2 autres paires. Ben, je pourrais vous montrer les 2 autres paires. Là, d'ailleurs, je refilme encore avec ma caméra, ma vraie caméra en ce moment, sauf que l'écran ne fonctionne plus. Fait que je sais pas partout qu'est-ce que je filme. Mais je suis tellement habituée d'avoir ma caméra dans les mains que je devrais m'en sortir. Fait que là, ça, c'est les autres boucles d'oreilles que j'ai commandées. Ouais, là, par exemple, sachez, je sais pas si vous allez arriver à voir. Il y en a, c'est comme des petits cœurs lilas. Là, par exemple, ouais, c'est ça. Vu que mon écran marche pas, je sais pas si je vous montre ça comme du bon. Puis les autres, c'est des genres de petites roses. Elles sont vraiment belles. Mais c'est ça. Dans le fond, les kits, ils étaient tous pré-faits. Puis moi, ben, j'ai fait un petit mix and match. Là, j'ai défait des kits, puis je me suis refait vraiment un kit à mon goût. J'ai vu que j'étais pas la seule à avoir fait ça parce qu'il y avait plein de kits défaits. Tu vois, que je me suis pas gênée pour le faire, là, de toute façon. Fait que c'est ça. Ouais, là, je pense que ouais, je vais prendre un petit dîner vite vite avant de partir pour aller au Costco puis faire mes petites commissions. Fait que on se reparle tantôt. Bon, là, je viens de revenir à la maison. J'ai pris un sac de terre de remportage. Là, j'ai les mains pleines. Fait que je vais monter en haut pour vous montrer mes autres achats. Juste déposer la caméra ici. Et alors, premièrement, j'étais au Costco. Fait que là, j'ai fait rembourser les leggings X large. Puis, je suis allée me chercher les larges. Fait que je vais aller les essayer tantôt pour voir si ceux-là font mieux. Bien, sûrement, oui. Et sinon, j'ai pris ce top-là parce que, en fait, je vais vous montrer. Juste ici en arrière, il y a ma. Philodendron Pink Princess qui est dans ce cache-pot-là, puis je trouve qu'elle n'est pas mise assez en valeur. Fait que là, quand que j'ai vu l'autre plat, l'autre pot, je me dis que ça ferait vraiment mieux dedans. Ah ouais, elle va être vraiment plus belle là-dedans. Je vais juste mettre des billes d'argile dans le fond, là, puis ça va faire mieux par exemple. Bon, je vais juste déposer ça là en attendant. Sinon, on était vraiment dit pour des plats de lunch. Là, il y avait une édition spéciale avec les couvercles lilas de même. Là. Fait que c'est les Rubbermaid. Fait que j'ai pris ce format-là, genre rectangle. Puis j'ai pris aussi les carrés. Là, c'est ceux-là qu'on a déjà ici. Mais nous, ils sont vraiment vieux, maganés, puis tout, là. Parce que, à force de les mettre au micro-ondes, puis avec la sauce spaghetti, là, ça. Là. Ouais, ça, j'ai vraiment hâte de goûter à ça, là, dans le fond. C'est du Kool-Aid aux framboises bleues. Moi, j'adore la slush à framboises bleues. Je prends tout le temps la slush à framboises bleues.
Puis là, je me suis dit, je pourrais peut-être me faire un, je sais pas, un cocktail avec ça, là. Fait qu'on va en mettre quelques-uns au frigidaire, puis je vais peut-être essayer ça tantôt, à soir. Sinon, dernière chose que j'ai trouvée, c'est des petits souliers comme ça. C'était dans la section des enfants encore. D'ailleurs, moi, je veux tout le temps checker les souliers dans la section des enfants. Pour ceux qui ne savent pas les grandeurs, comment ça marche, là. Comme ça, c'est des 4 d'enfants, ça équivaut à des 6 de femmes. Puis, selon les magasins, des fois, dans la section pour enfants, ça sera jusqu'à 5 ou jusqu'à 6. Donc, jusqu'à 7 de femmes ou des fois 8 de femmes. Ça dépend des magasins. Fait que ça, il est en spécial à 13$. C'est juste des petites ballerines comme ça. Puis, comme moi, je mets tout le temps, elles sont dégueu. Ça, c'est mes ballerines à moi, là, du Ardennes, que là, sont vraiment, vraiment maganées. Puis, je sais pas, là, ceux-là, j'ai trouvé belle. Un petit rose métallique un peu brillant. Fait que c'est ça, c'est tout ce que j'ai acheté au Walmart puis au Costco. Ouais, je vais aller essayer les leggings tout de suite. Bon, fait que les leggings font vraiment parfaitement. Je suis contente de les avoir faites échanger finalement parce que je n'étais pas certaine de les faire juste rembourser ou échanger. Mais là, ils font bien, fait que je vais les garder. Ben, tant qu'à y être, je vais vous montrer ce que j'avais acheté sur Shein. Fait que pour Arthur, j'ai pris un petit kit short avec la camisole qui fit sur la poche, le petit motif bien cute. Puis un short de maillot de bain, là. Ouais, petit maillot de bain avec des melons d'eau et des popsicles. Hein? Puis pour moi, ben, je vous avais dit que j'avais commandé un maillot de bain que finalement, il était trop grand. Mais il était très beau, par exemple. C'est juste dommage. Ouais, il me fait vraiment pas bien. Allô, Popelou! Ça met ma plante dans son nouveau pot. Ça fait vraiment beau, hein? Là, il est rendu 3h30. On s'en va chercher Arthur à la garderie. On attend tout le temps vers 3h30 parce qu'il se réveille de sa sieste vers 3h. Puis ils prennent la collation. Fait que, tu sais, pour le timing, c'est mieux qu'on aille le chercher après. Et puis après ça, on s'en va chez Bureau Agro pour prendre sa photo de passeport. On a vraiment hâte là, de pouvoir faire son passeport puis pouvoir aller aux États-Unis. Nous, avant la pandémie, on allait quand même souvent aux États-Unis. Au moins 2 fois par année, mais tu sais, pas loin, là. Dans le coin de North Conway, à peu près 4, 5, 6 heures de route maximum à Boston, l'exemple. Et puis, juste une petite fin de semaine, des fois 3 jours, aller coucher là-bas à l'hôtel, puis aller magasiner dans les outlets. Ce genre de petites activités qu'on aime bien faire, là. On n'est pas des gros voyageurs, voyageux, mais on aime ça aller aux États-Unis en char de même de temps en temps. Fait que, on s'en va chercher Arthur pour prendre sa photo de passeport. Les photos de passeport sont prises, mais je dis sont prises, je sais pas s'ils vont être acceptés, parce que soit il avait la bouche ouverte, soit il regardait pas la caméra, soit il riait, puis ça a l'air qu'il faut vraiment avoir la bouche fermée puis regarder la caméra, mais là, Arthur avait comme tout le temps la bouche ouverte puis il riait tout le temps, fait que c'était, elle a réussi à le pogner quand qu'il a avalé, mais il regardait ailleurs, fait que en tout cas, on va emmener ça au bureau de passeport puis on va espérer que c'est accepté. Fait que là, dans mon blender, j'ai mis une pochette de Kool-Aid aux framboises bleues, de la glace, puis de la vodka aux framboises. Fait que j'envoie ça à blender, puis on goûte à ça. Mon verdict, c'est bien beau, mais c'est vraiment pas buvable. Comment tu trouves ça? Je sais pas si c'est une idée ou c'est le sirop qui goûte ça à la base. Ben, j'ai juste mis le jus aux framboises bleues puis la vodka à framboise, c'est tout. Ah, ça va le coup. Ah ouais. Non, mais le jus il goûte pas bon non plus. Rebonjour, on est rendu le samedi matin puis là, Guillaume est sur le point de s'en aller. Aujourd'hui, il y a une compétition de RX1, je sais pas si on le voit sa casquette. Fait que c'est de compétition. Je vais être partie toute la journée, je vais être toute seule avec Arthur. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, hein? Bon, là finalement, depuis tout à l'heure, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Fait que là, Arthur est en sieste, moi pendant ce temps-là, je me suis préparée, j'ai pris mon petit café. Puis là, je parlais avec une amie, puis elle avait le goût d'aller magasiner. Elle a dit ça va faire du bien de sortir de chez eux. Elle a 2 enfants, dans le fond, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller faire un petit tour au centre d'achat, se promener,
C'est pas toute la journée, là, mais là, il est 10 h. Fait que moi, j'attends qu'Arthur se réveille, je l'habille, puis on part là. Fait que comme ça, je vais pouvoir faire prendre sa collation dans la poussette. Ça va l'occuper. C'est ça le truc. Fait que, ben, c'est ça. Oh, je vous montre si je fais des achats, puis peut-être des petites images là-bas. Attends un peu, Papilou, c'est Arthur qui va te le donner. Tiens, on s'en va, donne un anesthésique à Papilou avant de partir. Bon, Arthur, toi, t'es prêt à partir? Avec son petit polar. On vient de revenir à la maison. Arthur s'est endormi dans le char, là, fait que je viens de le coucher pour sa sieste. On dirait que moi aussi, je suis vraiment fatiguée. Je vais peut-être aller faire une sieste moi aussi, ou peut-être aller m'étendre dehors au soleil parce qu'il fait vraiment, vraiment beau aujourd'hui. Je vais vous montrer, j'ai pas acheté grand-chose, mais je vais vous montrer mes achats que j'ai trouvés. J'étais allée chez Cozy, puis je me suis trouvé des économes de Ricardo. Il y en a un qui fait vraiment juste comme éplucher, puis l'autre, c'est pour faire des juliennes. Puis c'est ça, ça coûtait 10 piastres pour les deux. Puis moi, j'en ai un, mais celui que j'ai, c'est de Dollarama, puis il est tout le temps en train de se démancher. Fait que je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Sinon, j'étais allée chez Sport Expert, puis je me suis trouvé une belle camisole Under Armour. Elle était en spécial en plus, c'est ça, dans le fond. Je suis allée checker les soldes. 40$ moins 30%. Fait qu'elle m'est revenue, je vois, avec, mettons 28 plus taxes environ, là. Ouais, puis le dos, je le trouvais super beau. Puis vu qu'il y a comme du bleu marin, ben, je me suis dit, je pourrais le mettre avec mes leggings Oraki bleu marin. Puis le genre de rouge-orange néon de même, là. J'ai pas ça, moi, dans mes affaires, là. Puis je trouve vraiment que c'est une belle couleur là, pour l'été, là. Fait que ça, je la trouvais très belle. Puis sinon, je suis allée au Dollarama. Puis, hop, t'as pas pu lui à la porte. Bon, fait que ce que je disais, c'est que je suis allée au Dollarama. Puis, je sais pas si vous avez vu ça passer sur les internets. Chez Dollarama, ils ont les gels à sourcils de Milk. Puis là, je suis allée checker sur le site de Sephora. Parce qu'en ce moment, ils sont encore disponibles, ça, ces gels à sourcils-là, sur le site de Sephora. Puis, il me semble, ils sont genre 24 piastres. Puis, chez Dollarama, ils sont à 4 piastres. Ouais, 26 pièces chez Sephora en ce moment. 26 $, exactement la même affaire. Moi, j'ai pris la couleur Haze. C'est sûr que là, il y avait comme trois choix de couleurs. Il y en avait un blond, un brun foncé, puis un genre de auburn. Fait que Milk, une marque, bonne marque, ça, là. Fait que la couleur, en tout cas, ça a l'air de peut-être ma couleur, ça, là. Ouais. J'ai vraiment hâte de l'essayer, c'est ça, je vais vous en redonner des nouvelles. Puis si je l'aime, ben je vais aller au Dollarama me chercher d'autres, là, dans le fond. Fait que c'est ça mes petits achats d'aujourd'hui. J'ai pas trouvé tant que ça grand-chose, mais c'est bien correct. Ça a comme passé le temps un peu, parce que pour vrai, tu sais, passer toute une journée complète ici à rien faire avec Arthur, maintenant on a retrouvé le temps long. Et fait que là, c'est ça, avec mon ami, on s'est promené, on a joué comme des petites places pour des jeux pour enfants, là, des machines qu'on met une pièce, là, puis que ça brasse, là, des genres de petits chars. Et puis, on est allé dîner au milieu, là, où ce qu'il y a les restaurants. Moi, j'ai pris du Cambodiana. Si vous venez du coin ici, là, probablement vous connaissez ça, là, mais moi, j'adore le poulet Général Tao du Cambodiana. Fait que c'est ça que je suis allée me chercher, puis j'en ai fait manger à Arthur aussi, puis il a bien aimé ça, là, c'est sûr, là, c'est du poulet avec une sauce sucrée. Fait que c'est ben bon. Fait que c'est ça. Bon, fait que ouais, probablement que je vais aller m'étendre pour une petite sieste. Avant de se coucher, Arthur, j'ai tout le temps une petite demi-heure de folie. Où est-ce qu'il s'énerve? Hein? Ah ouais, embarque dessus! Ah ouais, il est capable! Oh ouais! Boing, boing, boing. Bon, finalement, j'ai pas vraiment vlogué le reste de mon après-midi, mais ça, après le magasinage, quand on est revenu ici, j'ai couché Arthur pour une sieste, puis pendant sa sieste, moi, je suis sortie dehors m'étendre au soleil, puis j'ai fait une sieste au soleil. Après ça, je suis rentrée en dedans, j'ai fait mes ongles. Je sais pas avec la lumière si vous allez réussir à voir, là. En fait, j'ai laissé le vernis que j'avais déjà en dessous, qui était comme un genre de blanc crème. Puis j'ai mis un petit corail vraiment translucide, pâle, brillant, qui s'appelle Effie de Lookie. Mais là, vu qu'avec ma caméra, j'ai pas d'écran, je sais même pas qu'est-ce que je vous montre.
Fait, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, en vrai, c'est juste un beau petit corail brillant, super beau. À part de ça, c'est ça. Ah oui, puis là, je magasinais sur Facebook, là, t'sais, Marketplace, puis ces affaires-là. Puis là, moi, je suis sur le groupe Oraki Deuxième Vie. Et puis, j'ai comme trouvé. Il y a comme une annonce qui est apparue après-midi. Une fille qui vendait le legging botanique. Si vous connaissez Oraki, c'est sûr que vous connaissez le legging Oraki. Le botanique, c'est comme un de leurs modèles les plus. Ben, populaires, je dirais, là, mettons, les plus en demande. En tout cas, puis là, elle l'a mis à vendre. Comme un legging. Genre fleuri, là. Avec des belles feuilles. Puis, elle vendait aussi un genre de chandail vert comme ça. Fait que je l'ai pris en même temps. Puis elle vendait ça quand même à bon prix là, pour du Oraki. Fait que je suis vraiment contente. Je suis allée le chercher tout de suite. Puis fait que c'est ça. Fait que là, Guillaume y arrive dans à peu près une demi-heure. Donc je vais profiter de cette demi-heure-là pour aller commencer le montage du vlog. Puis ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!